Tu le verras jamais, jamais pleurer. Se faire du fric comme Bolloré. De la money, du liquide, bah ouais. Liquide, de la money, du liquide, bah ouais. Liquide, de la money, du liquide, ben ouais. J'espère que vous avez kiffé le son. Ça, c'est mon son du moment. Mes amis savent pourquoi c'est mon son du moment. Bref, anyway, vous avez vu mes tresses là, je kiffe trop. Merci à ma copine Cathy. Donc, bref, suivez-la sur son Instagram, c'est Ciel Noir. Si vous voulez les tresses, vous la contactez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi de me follow sur mon Insta qui est Zaz Diamond, ainsi que sur mon Insta professionnel qui est unique en minuscule. Insta, j'y propose différents articles, je vais vous mettre ça juste là, donc faites-y un tour et abonnez-vous surtout. Donc on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, ce sera tout simplement un haul, oui un haul, j'ai jamais fait de haul, j'ai déjà fait des lookbooks mais j'ai pas encore fait des hauls, donc c'est mon premier haul. Donc il y a déjà 3 semaines, j'ai participé à la énième édition du vide-grenier de Libreville. J'y vendais mes vêtements avec des amis, mais j'ai profité aussi à acheter, à refaire surtout, ma garde-robe. Disons que c'est là-bas que je refais plus ma garde-robe qu'ailleurs en fait. Donc j'ai profité à refaire ma garde-robe et je vais donc vous présenter tous les articles que j'y ai achetés. Juste des articles magnifiques. On y va, c'est parti, mais je vous laisse d'abord avec mon générique. Bisous! Donc, l'un des tout premiers articles que j'ai acheté chez une dame, franchement, elle proposait de superbes articles et à moindre coût, c'est ce body. Voilà, j'ai acheté ce body à 3000 francs. Il est juste trop bien. Je crois qu'elle a porté qu'une fois parce que franchement, il est juste trop bien. Il est encore en état et il me va super, super bien. Donc, toujours chez la même dame, j'ai pris aussi ce body. C'est à peu près le même style que le précédent, mais avec des manches courtes un peu bouffantes. Voilà, j'ai pris ce body aussi. Il est vraiment, mais vraiment pas mal quoi. Donc avec une amie, on a un petit peu tourné toujours au vide-grenier de Libreville. On est tombé sur des dames et elles vendaient des skinny, devinez à combien? 1000 francs, 1000 francs. Donc j'ai pris ce skinny bleu ciel. Ah, ça c'est l'arrière. J'ai pris ce skinny bleu ciel, porté. Porter, c'est juste trop beau, franchement. C'est juste trop beau. Ici, c'est coupé comme ça. Donc, voilà. Je l'ai pris à 1000 francs. Ensuite, chez les mêmes dames, j'ai pris un autre skinny. Noir cette fois-ci. Voilà. Toujours dans le même style. En tout, j'ai pris 3 skinny chez les mêmes dames, en fait. J'ai pris ce skinny aussi. C'est bleu. Moi, j'appelle ça le bleu pur. Hein. Toujours à 1000 francs. Toujours chez les mêmes dames, j'ai pris un pantalon de chez Zara à 1000 francs. Il est juste trop beau porté. Il est vraiment magnifique à porter en fait. C'est vraiment un très 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 beau pantalon porté. Voilà. Ensuite j'ai pris ce top. Il est juste trop beau porté. Voilà, il se présente ainsi. Il est vraiment mais vraiment très beau. J'en ai déjà un dans ce style là en noir. Et c'est de base une robe pour certaines, mais pour moi ce sera plus une tunique. C'est juste une pièce, je l'ai eu à 4000 francs. Quand je pense que certains l'achètent hyper cher. C'est ça. C'est juste trop beau porté quoi. Voilà, j'ai eu cette pièce là à 4000 francs seulement. J'ai pris cette petite robe là. Elle m'a trop plu en fait, mais bon, ma copine elle disait ce sera trop court. Nanani nanana, tu as les grosses fesses, patati patata. Au finish, ben, la robe elle se présente super bien sur moi, voilà, comme vous pouvez le constater. Elle est juste superbe, je la kiffe de ouf. Je vous ferai sans doute, on va dire quoi, je vous ferai sans doute un lookbook, rien qu'avec cette robe là, et je vais vous la présenter de différentes manières, voilà. Donc, après, je me suis acheté une autre robe de chez H&M. Voilà. Elle est juste trop belle. J'aime beaucoup la matière. Et surtout le fait qu'on puisse porter la robe de différentes façons. Je vous ferai aussi un lookbook avec ce genre de robe. Parce que je sais que beaucoup ont ce genre de vêtements. Et ne savent pas trop comment porter. Donc, je vais vous proposer des looks avec cette robe. Ma dernière pièce de vêtement, mais vraiment, c'est la pièce que j'ai adorée. C'est la pièce, quand elle m'a donné le prix, je l'ai direct acheté. J'ai pas cherché à cogiter. C'est ce magnifique, en fait, c'est quoi? C'est un body de chez Zara. Il est juste magnifique. Voilà. Il est pas très long. Il est vraiment très beau porté.
C'est la pièce, genre, je me suis dit, non, vas-y, prends. Elles me l'ont fait à 5000 francs seulement. J'ai trop kiffé. Et, sorcière. Et voilà, pour ce prix et dans cet état, je me suis dit, non, vas-y, prends-le, ne le laisse pas. Je suis pris une chaussure. C'est celle-ci. C'est une mule, vraiment le genre de chaussure que j'aime parce que moi, je ne sais pas marcher avec vos talons aiguilles là. J'aime bien les chaussures carrées comme ça, avec des talons carrés. Devinez à combien je l'ai acheté. Devinez à combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 2500 francs CFA. 2500 francs CFA. Voilà. Juste magnifique. Donc les filles, vous qui hésitez souvent à venir au vide-grenier de Libreville, ben vous ratez des très bonnes affaires en fait. Contrairement à ce que l'on pense, c'est pas des vêtements, c'est pas des vieux vêtements délavés et tout et tout. Et puis il faut savoir choisir selon son style, selon son look. Et moi, je suis trop contente de ce que j'ai déniché, en fait. J'ai déniché des super pièces. Par contre, j'ai pas pris d'accessoires cette fois-ci, mais j'espère que la prochaine édition, je prendrai quand même quelques accessoires. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bye!